Salut, je suis Cristobal et je vous parle depuis le canal de Panama, une des merveilles du monde moderne. C'est parti pour une nouvelle minute d'ING. Panama est une ville en progrès qui grandit et se transforme en rythme rapide. Si vous voulez vous déplacer dans ces villes, sachez qu'il existe un réseau de bus qui traverse les routes principales, les voies Ricardo Hotel Faro, les voies Transilvica, les voies Espagne et les autoroutes nord et sud. Depuis l'aéroport international de Tocumen, ces autoroutes suivent la configuration en longueur de la ville d'est et ouest. Il existe aussi le métro de Panama avec la ligne 1 et la ligne 2, actuellement en construction, sera partiellement activé pour les JMJ en janvier 2019. La plupart des routes municipales et régionales de la ville de Panama arrivent au grand terminal de transport national d'Albuquerque. Depuis le terminal, il est possible de prendre des bus qui vont au nord, à l'est et à l'ouest des pays. En plus de cela, au terminal arrivent les bus qui viennent de Nicaragua et de Costa Rica, des pays où s'y tiendra aussi les journées indiocèses. Il est très facile de se déplacer dans la ville de Panama. L'avantage d'être un petit pays est que tout est proche. Nous nous préparons tous pour faire des JMJ 2019 un événement inoubliable. Suivez les réseaux officiels des JMJ pour plus de détails. On se voit à Panama!